Jumbo t'es pas tout le monde, les amis, que l'énergie de ma babouzette Ouazouri dans son sept méritants vous accompagne. Les amis, je suis à l'intérieur de notre temple et j'aimerais profiter de cette vidéo, les amis, pour vous dire Nashukuru Sana. Nashukuru Sana à tous ceux qui ont participé au financement de notre temple, à la campagne de financement. Les amis, sans vous, les choses n'auraient sans doute pas pu se tenir. Et on a pu le faire grâce à vous. Et je vais vous dire encore une fois de plus, du plus profond du cœur, au nom de toute l'équipe, de tous les Miangozo, de tous ceux qui, tous les jours ici, s'engagent, servent les ancêtres, vous dire Nashukuru Sana, Nashukuru Sana, Nashukuru Sana. C'est grâce à vous. D'accord? Parce que vous avez eu, les amis, mieux que les autres, la lucidité. Et c'est cette lucidité, les amis, qui consiste à comprendre l'importance d'un temple, d'un sanctuaire, d'une maison de vie, on appelle ça comme on veut, en 2022 de l'ère le Codéam, 6258 de notre ère. Vous avez eu cette lucidité, d'accord, qui vous a poussé à nous accompagner dans ce projet, les amis. Dans ce projet. Malgré que les gens vous ont poussé à ne pas le faire. Malgré qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui vous poussent à regretter votre geste, à ne plus nous soutenir. Beaucoup font des lives de 2 jours d'affilée. Hein? Des gens qui ont sans doute mal vieilli. D'accord? Sans doute honteux de voir que des jeunes ont sans doute réalisé des choses dont ils rêvaient et qu'ils n'ont pas pu faire. Vous savez, souvent, la jalousie de l'homme, de l'humain, d'accord, fait qu'il va transformer tout ce qui va suivre en ego. D'accord? En fait, l'ego même va se créer en lui. Et tout ce qui va venir derrière, c'est des choses infectées par l'ego. D'accord? Moi, je vais vous demander, les amis, de ne pas suivre ces gens. Vous avez la vision. Vos ancêtres vous ont poussé à soutenir ce projet, à croire en ce projet. Ce n'est pas pour rien, les amis. Il faut laisser les gens qui ont décidé de rester, entre guillemets, la poubelle de l'histoire, dans la poubelle de l'histoire. D'accord? Il faut les laisser dans la poubelle. Ils sont bien avec les mouches. D'accord? Vous savez, nous, on brille. Parce que nos ancêtres nous ont confié une mission, un cahier des charges. Donc, on avance avec ça. D'accord? Donc, restez tel que vous êtes, les amis. Croyez en cette voix qui vous a dit, participez à ce temple. Participez à ce temple. Croyez en cette voix. Cette voix, c'est la voix de ce qu'on appelle vos esprits gardiens, qui peut être vos ancêtres méritants, ça peut être les ancêtres de la famille. Enfin, bref, on fera une autre vidéo là-dessus. Il faut croire en cette voix, les amis, au plus profond de vous, qui vous guide tous les jours et qui vous a guidé dans ce choix. Dans ce choix. Le challenge. Quels sont les challenges? Quels sont les défis? D'accord? Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui des néo-kémites ou des kémites au regard de notre histoire proche à avoir un temple? Donc, merci à vous tous, les amis. Je profite de cette vidéo, les amis, d'accord, pour parler, vous savez, de la communauté. Depuis que nous sommes sur les réseaux sociaux, on s'est toujours présenté comme étant des gens opposés à cette façon de présenter les Noirs comme étant la communauté noire. Nous avons dit que dans la définition même du mot communauté, on ne peut pas parler des Noirs. Parce qu'aujourd'hui, quand moi je vois un frère noir, quand je vois une sœur noire, j'ai l'impression de voir une étrangère. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la couleur de peau que nous partageons, je rappelle que les Hindous ont la même couleur de peau que nous. Donc la couleur de peau n'est pas un critère de communauté. Sinon, avec l'Hindou, je suis un frère. D'accord? La couleur de peau noire n'est pas un critère. D'accord? Les cheveux crépus, il y a des gens qui ont les cheveux crépus, mais qui ne sont pas de chez nous. D'accord? Donc tout ça, ce n'est pas un critère. Moi, quand je vois aujourd'hui un noir, j'ai l'impression de voir quelqu'un, un étranger, on peut se faire la guerre, il peut me faire la guerre. D'accord? C'est compliqué, les amis. Pourquoi? Parce que nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Regardez aujourd'hui, toutes ces chaînes, ces pages qui se sont spécialisées dans la calomnie, dans les insultes publiques, dans le sabotage, des gens qui souvent se disent kémites ou d'autres qui se disent panafricains. Regardez les gens qui se font la guerre. C'est quoi tout ça? Moi, personnellement, et notre temple, nous ne nous reconnaissons pas dans ce genre de valeurs. Je répète encore, nous ne nous reconnaissons pas dans ce genre de comportement. Donc moi, je n'ai pas envie d'appartenir à cette communauté où il y a, moi, ce que j'appelle des virus, des gens qui sont infectés. Le mal est trop en eux, que les ancêtres les délivrent, que les ancêtres les soulagent, que les ancêtres réveillent leur conscience. Beaucoup sont malades. Les amis, ce que je veux vous dire par là, c'est que au regard même des kémites qui insultent d'autres kémites, qui veulent détruire les projets de d'autres kémites, d'accord? Nous avons mis en place notre communauté. D'accord? On n'a pas beaucoup vulgarisé cela parce qu'on est soucieux aussi de ne pas prendre n'importe qui.
Pourquoi je dis ça, les amis? Parce que quand on parle de communauté, on parle des gens qui partagent avec nous les mêmes valeurs, la même compréhension du monde, la même compréhension de la vie. On marche sur la même ligne. Et à partir de là, on aura des codes qu'on va partager en commun, ensemble, et pour lesquels on va être un. On va respecter ces codes, on va respecter ces valeurs, on va respecter ces principes, on va respecter ces accords. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand moi je vais voir quelqu'un de ma communauté, il sera ou elle sera automatiquement ma sœur ou mon frère. Tout simplement. Parce que j'ai l'assurance qu'étant dans ma communauté, on partage les mêmes valeurs. Demain, j'ai un problème, je peux aller voir la sœur ou le frère qui fait partie de ma communauté. Mais quelle communauté? Notre communauté Kémite. Attention, je dis nous, notre communauté Kémite Causons d'Afrique, parce que nous avons mis en place notre communauté Kémite Causons d'Afrique. Il y a d'autres Kémites qui ne veulent pas fonctionner avec nous, qui veulent fonctionner tout seuls. Il y en a d'autres aussi qui ne veulent pas fonctionner avec d'autres Kémites. C'est un peu le désordre dans la kémitosphère. Donc, vous savez, vis-à-vis de ça, on est obligé d'organiser les choses différemment. D'accord? Et donc, c'est important que les gens se communautarisent dans des sous-communautés, d'accord, avec lesquels ils partagent les mêmes valeurs. Et donc, les amis, nous avons mis en place notre communauté et pour y accéder, d'accord, vous avez quatre options pour y accéder. La première option, c'est ce que nous avons appelé la force kémite. D'accord? Vous avez un lien dans la barre de description. Allez-y, c'est marqué « Notre communauté, rejoindre la communauté » et vous allez voir qu'il y a toutes les différentes options. La première option qui est la force kémite, d'accord, qui est une option gratuite. Vous avez la possibilité d'intégrer un groupe Telegram, d'accord, parce que tout se passe sur Telegram. Et dans ce groupe-là, vous aurez des frères et sœurs d'un peu partout avec qui vous allez discuter, avec qui vous allez poser des questions, avoir des réponses. Vous aurez des capsules de nous, d'accord, régulièrement qui vont vous apprendre un tout petit peu le kémitisme, d'accord. Et si vous voulez aller plus loin, on a notre école initiatique. Bref, vous aurez également des enseignements, d'accord. Vous aurez également la loi de la Mahat qui est envoyée tous les jours. Donc, il y a quand même des avantages, d'accord, pour vous nourrir, pour nourrir votre esprit étant dans notre communauté, la force kémite. Vous avez également une deuxième option qui est l'option nubienne, d'accord. L'option nubienne vous permet également d'accéder à un groupe Telegram qui est différent du premier groupe Telegram, d'accord, et dans lequel vous aurez énormément d'avantages, d'accord. Je ne vais pas les citer, vous avez les avantages ici, d'accord, dans cette bannière. Donc, allez-y, regardez, tout est dans la barre de description. Vous avez également ce qu'on appelle, comme troisième option, les kémites fidèles. Les kémites fidèles, en fait, c'est si vous voulez vous inscrire dans la durée, d'accord. Vous voulez soutenir le temple dans la durée. Je rappelle que les trois dernières options sont accompagnées d'un soutien financier. Non pas pour le guide Imhotep, non pas pour Dahomey, non pas pour qui que ce soit, mais ce soutien financier, c'est un soutien pour le temple. D'accord. Vous savez, toutes les communautés, quand elles bâtissent un temple, derrière, elles vont avoir une espèce d'abonnement ou de soutien régulier. D'accord. Nous ne sommes pas une église, on ne fait pas la dîme. On n'est pas les autres communautés où on a des gens qui, etc. Et c'est la raison pour laquelle, justement, si vous voulez que ces lieux-là restent des générations et des générations, des années et des années, nous devons nous organiser, d'accord, pour l'accompagner, d'accord, avec un soutien régulier, mensuel, d'accord, pour soutenir économiquement ce temple. C'est bien d'avoir un temple, mais derrière, il faut pouvoir laisser un temple à notre nouvelle génération, à nos enfants, à nos petits frères, d'accord. Nous, nous faisons notre part, mais essayons de laisser un cadre à nos petits frères. Les anciens n'ont pas pu nous laisser un cadre, d'accord. Nous avons mis en place un cadre, toujours aussi avec l'aide des anciens, directement ou indirectement. Nous avons eu un cadre. Nous devons faire en sorte que les petits frères puissent profiter de ce cadre, soit pour l'agrandir ou pour en faire plusieurs. Mais nous devons leur laisser un cadre. Donc, nous sommes dans l'obligation, un peu quelque part, de soutenir, d'accord, de façon permanente le temple. Bien évidemment, le temple va essayer de fonctionner tout seul, de se gérer économiquement tout seul, mais un soutien régulier, d'accord, ne serait pas mauvais. Et c'est la raison pour laquelle, dans les quatre options que nous avons mises en place, trois options permettent un soutien régulier. La première option est une option gratuite, d'accord, pour ceux qui n'ont pas les moyens ou simplement pour ceux qui ne veulent pas ou qui ne pourront pas, d'accord, de quand même faire partie de notre réseau. Voilà les amis ce que je voulais vous dire dans cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'on a tout compris et dites-nous en commentaire quelle option vous allez choisir pour nous suivre. Au tête à vous.